garez-vous éveillés, car il vient le Seigneur. Pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, en son les musiques, acclamons-le. Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, couvons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 50. La nuit est avancée, déjà le jour approche. Que se lève en nos cœurs le soleil de justice. La nuit est avancée,
pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Allons, péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi. Si tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Moi, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi. Le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Au lieu qui est pour moi le plus, restaure ma poitrine l'esprit ferme. Ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang et mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Psaume 56. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes je m'abrite, tant que soit passé le fléau. J'appelle vers Dieu. Couché parmi les lions qui dévorent les fils des hommes. Leur dent une lance et des flèches, leur langue une épée acérée. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Ils ont les leurs filets sous mes pas. Creusaient
devant moi une trappe, ils sont tombés dedans. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Grand jusqu'aux cieux ton amour, jusqu'au nu ta vérité. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Mon Père, mon Fils, ton Saint-Esprit, pour les siècles. Psaume 98. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il s'élève son nom grand et redoutable. Qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. Oh Jacob, c'est toi qui agis. Exalté le Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant son large pied. Lui, Dieu est saint. Moïse a parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, l'appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, et regardait ses témoignages, la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur, et leur Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit. Cantique d'Isaïe, page 275. Parole du Seigneur, puisque ce peuple ne m'approche qu'en parole, qu'il ne me glorifie que des lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Puisque sa religion envers moi n'est rien que les serres humains. Je continuerai à lui prodiguer des prodiges. La sagesse des sages s'y perdra, l'intelligence des intelligents s'éclipsera. Il se cache du Seigneur et dissimule leur projet.
leur perversité, l'œuvre peut-elle dire à son Créateur? Je ne suis pas son œuvre, il ne comprend rien. N'est-il pas vrai que les si peu, très peu de trop? Le lion deviendra un berger, le berger se changera en forêt. Alors les sources jaunes entendront les paroles d'un livre. Et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les âmes de plus en plus se réjouiront dans le Seigneur. Et les pauvres exulteront à cause du Saint d'Israël. De Saint Bernard au XIIe siècle, du cœur de Dieu. Frères, vous connaissez celui qui vient. Considérez maintenant d'où il vient et où il va. Il vient du cœur de Dieu le Père dans le sein d'une Vierge Mère. Il vient des hauteurs du ciel dans les régions inférieures de la terre. Et quoi ? Ne nous faut-il pas vivre sur cette terre? Oui, s'il y demeure lui-même, car où serons-nous bien sans lui? Qu'y a-t-il pour moi au ciel? Qu'ai-je voulu sur la terre sinon toi, le Dieu de mon cœur et mon partage à jamais? Mais il fallait qu'un grand intérêt fût en cause pour qu'une majesté si haute daigne descendre de si loin en un séjour si indigne d'elle. Oui, il y avait là un grand intérêt en jeu, puisque là, la miséricorde, la bonté, la charité se sont manifestées dans une large et abondante mesure. Pourquoi en effet Jésus-Christ est-il venu ? Ses paroles et ses œuvres nous le montrent clairement. Il est venu en toute hâte des montagnes pour chercher la centième brebis perdue, pour faire éclater sa miséricorde à l'égard des enfants des hommes. Il est venu pour nous, admirable condescendance du Dieu qui cherche, dignité admirable de l'homme ainsi cherché. Il peut s'en glorifier sans folie, non que de lui-même il soit quelque chose, mais celui qui l'a fait l'a estimé à un si haut prix. En comparaison de cette gloire, les richesses et la gloire du monde, tout ce qu'on peut y ambitionner, s'allie, ou plutôt n'est rien. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu l'élèves ainsi et que tu y attaches ton cœur. Mais c'était à nous à aller vers Jésus-Christ. Or, un double obstacle nous arrêtait. Nos yeux étaient fermés, et lui habite la lumière inaccessible. Paralytique, gisant sur notre grabat, nous étions incapables d'atteindre jusqu'à la grandeur divine. C'est pourquoi le très bon Sauveur et médecin des âmes est descendu. Il a adouci pour nos yeux malades l'éclat de sa lumière.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Arrache à l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Seigneur, je viens notre Père Abraham de nous donner la franchise et la crainte et petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Chrysagion, page 354. Nous te bénirons, ô Très-Haut.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous.